Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Madame. Alicia, Et on a. Oh, putain, le up in here. Et on a une grosse. Ouais, je me fous de ta gueule, littéralement. On a une grosse annonce à vous faire. Bien sûr, on l'annonce juste après. Turn up! Comme on s'est dit hors caméra, c'est toi qui fais l'annonce. Hein? C'est toi qui fais l'annonce? Non. Bah si. Bah non, c'est pas moi qui fais l'annonce, ça va pas. Tu veux juste quoi? Bah tu dis ce qu'on va annoncer. Hein? Mais non, c'est la première fois pour moi aussi. Je vais jamais dire ça, c'est toi. C'est moi qui dois annoncer le truc. Bah ok. Ouais, c'est ta chaîne. Ok, bon bah vas-y. Je pense que les gens en vrai, ils se doutent. Ils m'en parlent souvent. T'as tellement bien joué. De quoi? Que je... Bah... je sais pas. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, t'as bêtisé ça. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Mais, en fait, mais tu veux annoncer ou t'annonces ou j'annonce? Non, je peux pas annoncer. Bah laisse-moi annoncer alors. Attends, mais qu'est-ce que... Ah, j'ai mal au ventre, il faut que je fasse attention. Ok, bon, j'annonce du coup, waouh. Du coup, je sais même plus par où commencer du coup avec tes conneries. Mais si, on a quelque chose d'important à vous annoncer. Voilà, donc je pense que les gens, ils s'en doutent. On a reçu beaucoup de DM et de messages. Exactement, on a reçu des messages et DM, et ça fait depuis au moins un an que ça dure. Ouais. Les gens, ils n'arrêtent pas de nous en parler, ceci, cela. Et je me dis... On nous propose ça depuis le début, donc il faut qu'on l'annonce, il faut qu'on l'officialise en fait le truc. On a enfin une émission, une web série de vidéos qui arrive. Ouais, c'est une web série. Le web. Tous les jours à 21h du lundi au vendredi sur Facebook avec Alisha qui va s'appeler Alisha et Balou. Ça va être des vidéos galeries, des vidéos de couple, hein, de choses qui se passent dans un couple qui sont galeries. Ça va être mon premier pas dans l'acting. Enfin, j'ai. Waouh, les gens, ils ont cramé que j'étais en caleçon. On va pas sur un pyjama, ouais. Ça va non, être. Mais, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, qu'est-ce que tu fais en caleçon? Ben, on vient de tourner. Ah, oui. Et dans la prise, j'étais en caleçon, donc vrai, je suis resté vrai. En caleçon. Du coup. Ouais, ça... donc, no babies. Ok, c'est mon premier pas dans l'acting. Enfin, mon premier pas, j'ai déjà fait des vidéos dans ce style. Mais c'est une manière de rentrer dans ce délire-là, dans l'acting avec Alisha. Et bon, il y a des vidéos encore plus travaillées qui vont arriver. Là, c'est vraiment, vous allez kiffer, c'est vraiment... Des petites vidéos quotidiennes à vous donner en voilà, cadeau. Exactement. Et il y a des vidéos qui arriveront sur YouTube, sur ma chaîne Le Balou Show, qui sont encore plus poussées. Mais justement, moi, je me suis dit, ce qu'on va faire, et ça, c'est pas commun. En général, je pense que les réalisateurs, ils ne font pas participer leurs fans. Bah là, on va essayer de trouver en direct des sujets. Qu'est-ce que t'en penses? Bah vas-y, let's go. Vas-y, on trouve des sujets comme ça, les gens ils vont savoir à quoi ça tombe. Vas-y. Moi, dans un couple, le premier truc que je voudrais parler, je pense, qui revient le plus souvent, c'est l'infidélité. C'est genre, on peut faire une scène. Ouais, non, mais on peut faire une scène où genre. Pourquoi ça m'étonne pas? Oui, mais on peut faire une scène où genre, tu rentres et tu me vois avec une meuf et tu vois, elle me fait un truc chelou, genre. Tu vois? Mm-hmm. Et tu t'énerves. Mm-hmm. Bah, ça peut être une scène. Mm-hmm. Ça, les gens ils vont galerie. Oui, comment tu réagirais? Je réagirai pas. Ok, voilà. Ça peut être marrant. Je ferme la porte et je m'en vais et tu me vois plus. Bah oui, mais là, on peut pas faire de vidéo dans ce cas-là. Voilà. Bon, et bon, toi, choisis une scène, toi. Moi, les jeux vidéo. Tu vois, les mecs, ils passent beaucoup de temps sur la play et tout. Et vas-y, nous, ils nous calculent plus et tout ça. Ouais, et genre, on ferait une scène. Ouais, j'ai capté. Ou toi, tu me casses les couilles pendant que je joue à la play. Ouais, voilà. Là, ça serait marrant, ça. Moi, j'en ai une encore mieux. Crac sa mère, c'est genre, t'apprends. Que je t'ai trompé avec ta cousine. T'apprends que je t'ai trompé avec ta cousine. Bah Weshden, elle l'a fait. Tu hors de ma vue. Tu hors de ma vue. Ouais, c'est le son de Weshden. Tu hors de ma vue, elle dit. Ramasse tes caleçons sales. Ah bah tu connais. Ouais, tu hors de ma vue. Ouais, mais vraiment tu. Tu hors de ma vue. Je crois qu'elle dit tu hors de ma vue. Hein. En fait, il y avait une syllabe. Ouais, là, tu hors de ma vue. Je sais pas, le verbe hors des. Si, hors de ma vue, oui. Oui, mais tu hors de ma vue, non. Ouais, ouais. Je hors de ma vue, tu hors de ta vue, non. Ouais, mais c'est du comblage. Du comblage, ok, d'accord. Mais du coup, tu valides l'idée? Je te trompe avec ta cousine? Non. Non? Ça fait mal. Ça fait. C'est censé être marrant, en fait, le truc. J'ai déjà plus ou moins vécu. Qui t'a trompé? Tu t'es déjà fait tromper par ta cousine? Non, un gars t'as déjà trompé avec ta cousine? Ouais. Sérieux? Tu savais quoi?
Bah non, moi je connais pas toute ta vie, franchement. Ah ouais, t'es... en fait, t'aurais pu faire le c'est son Weshden. C'est moi Weshden. Ah ouais. Ah, en plus, je me lance dans la musique là. Toi, c'est Weshden. Ok, du coup, t'as un sujet. Le sport. Le sport. Pourquoi j'écris, je sais pas. Le sport, ouais. Les mecs fit et tout. C'est vraiment de la merde. Laisse-moi choisir les sujets. Je crois que c'est moi qui vais faire le réel de ce truc. Je vais choisir les sujets. Moi, j'ai un sujet de ouf. C'est tu rentres dans l'appart et là, il y a deux meufs avec moi et je fais ouais, un plan c'est à bon, trois. C'est bon, je c'est fais bon. Un plan à trois de non, malade. Mais c'est bon, toi, toute ta vie, c'est que infidélité, tromper, tout ça. Là, c'est quoi ton problème? Déjà, une, c'est pas toute ma vie, mais c'est juste. Bah, si, t'as fait j'essaie de trouver des trucs piquants. Trois sujets j'ai donné, jeux vidéo, le sport, je sais pas quoi, les animaux et tout. Et ah, t'as jamais dit les animaux, okay, qu'est-ce que tu racontes? Je m'en fous. À quel moment elle a dit les animaux? Je m'en fous. Mais tu se moques du crack, toi. Non, mais parce que je voyais le truc des chats. Okay, alors, okay, j'ai okay. Dire animaux. Ok. Et c'est différent. Et toi, tu me dis que tromper. J'ai pas dit que tromper. Tromper tout seul, tromper avec ma cousine, tromper deux meufs, c'est attends, le problème. Attends, j'ai pas dit que tromper. T'as dit l'infidélité, genre, en général. Ouais, mais en fait... ça peut être un pote qui te trahit ou... Mais attends, déjà, premièrement, ok, j'ai parlé d'infidélité, mais c'est parce que j'ai élaboré des situations qui sont probables. Mais non, pas, attends, je, mais non pas qui sont probables, mais c'est déjà arrivé dans la vie des gens. Ok, maintenant je vais te dire quoi. Toi, y a jamais un mec qui t'a trompé avec deux meufs en okay, même temps. J'espère pas, je ne sais pas. Maintenant, je t'explique, ok. Toutes tes situations, c'est la même finalité. C'est quoi la finalité? La meuf, elle craque, elle te tue et elle s'en va. Bah non, moi j'ai déjà trompé des meufs. Enfin non. J'ai jamais... oh là là. Elles sont déjà restées avec moi. Mais tu m'as pas dit que ça c'était quand t'avais 16 ans, ça? Ouais, que... Enfin, de toute façon... J'avais trouvé combien de meufs? Bon, bref, le but, c'est quand même de trouver des situations avec les gens et des situations qui sont pas que sur l'infidélité, comme t'as dit. C'est quoi? C'est qui, ça? C'est qui, French Plug 2? Là, qui m'appelle, là? Ouais, French Plug 2. C'est le numéro du bureau, ça doit être... Wesh, il est minuit passé et il y a que toi qui as les clés. Oui, French Plug 2. Je sais pas, moi, c'est peut-être Logan, il est au bureau, tout ça. C'est qui, French Plug 2? Bah, c'est bon, tu vas pas me rendre fait. Mais c'est bon, là, on est en train de faire une vidéo, tu vois. T'es sérieuse, là, tu vas faire une crise de jalousie. T'es malade, mais t'es malade ou quoi? Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV.